Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait pour purger un radiateur. Alors pour ce faire, c'est simple. Vous avez besoin de un tournevis plat et un petit gobelet. Donc déjà, vous allez sur votre radiateur et vous cherchez la purge qui se trouve ici. C'est l'embout qui dépasse d'un côté de votre radiateur. Vous placez le gobelet en dessous. Voilà. Puis vous remarquerez qu'à ce niveau-là, il y a un petit trou. Ce petit trou, vous le mettez vers le bas, au-dessus de votre gobelet, parce que par là, de l'eau va couler en fait. Donc, maintenant, vous avez besoin de votre tournevis, et vous allez dévisser la petite vis qui se trouve ici. Donc, vous la dévissez. Voilà. Là, l'air va s'échapper, donc votre radiateur est en train de se purger. Et à partir du moment où l'eau va couler, voilà, comme ceci, là, elle coule. Ben, quand elle coule, vous pouvez resserrer la vis. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'air dans votre radiateur et donc qu'il est purgé. Voilà.